aujourd'hui, c'est carnaval. Carnaval, Mardi Gras, le jour où les gens vont se déguiser. Oui, les enfants adorent ça, vous savez. Et ils bouffent des crêpes et des beignets. Moi, j'ai fait des beignets. Vous pouvez aussi également, si vous n'aimez pas les enfants d'ailleurs, si vous en avez chez vous, je sais pas, des petits frères, des petites sœurs, des enfants que vous avez fait et que vous n'aimez pas non plus, leur mettre, vous savez, les petits maquillages qu'on achète. Oui. Ah oui, indélébile. Indélébile et complètement toxique, bien sûr. D'ailleurs, j'étais en train de lire un article dans le journal pas cher, là, 20 minutes. Ouais, bah moi j'ai vu un truc à la télé, pareil. Et là, ils disent qu'il y en a il y a la moitié des produits qui vendent. Alors, un peu de chance, choisissez bien, vous pouvez leur choisir. Choisissez but. Des allergies. Oui, des allergies, il y a même des produits qui atteignent le système nerveux. Oui. Sympa. Donc, tout ce qu'ils proposent, avant de le mettre sur le visage des gosses, l'essayer sur leurs bras. Voilà. Comme ça, au lieu d'avoir une allergie au visage et d'être contaminé par le visage, ils sont contaminés par les bras. N'hésitez pas à les déguiser. Dans certains maquillages, pour faire des bonnes couleurs et tout ça, ils ont chargé ça en plomb, nickel et cobalt. Voilà. Et ça peut entraîner des dérèglements du système nerveux. C'est le gosse qui pète un plomb. Super Mardi Gras. Ce matin, je vais faire dans les masques, beignets, crêpes, genre fourglas total, dans l'espoir que ça parte comme des petits pains, comme on dit. Ouais, j'espère bien, Romano. Et dans les carnaval. C'est parti dans les conseils pas chers, les premiers Musique. De la journée. Carnaval et conseils pas chers, bien sûr. C'est les conseils pas chers. Oui, c'est les conseils pas chers. Poupou, c'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers au carnaval. Wow. C'est parti pour carnaval. Ouais, quoi, moi je fais en France, hein, donc on va dire carnaval tout court. Un carnaval tout court, d'accord, ok. Allez, c'est parti, carnaval. Allez, on va chez Nadine. Oh là, Nadine. C'est Nadine au réveil. C'est ça. Elle a fêté Mardi Gras avec nous. Ah, ouais, tiens. Allô Nadine. Ouais. Ouais, c'est carnaval. Carnaval. Ouais. Bon, c'est les carnavaliers à l'appareil. Comment vas-tu, Nadine? C'est qui? Ouais, c'est les carnavaliers. Je suis déguisé, je peux pas te dire qui je suis. Et, bon, dis-moi, Nadine, je vais t'amener ton petit masque, là, pour carnaval. Le quoi? Là, un masque. Non, si, il faut cacher ce visage ingrat. Non. C'est le jour ou jamais, Monique. Ah, c'est des conneries. Ah, mais non, c'est pas des conneries. Ouais. Oh merde. Eh, ben, Monique. Ah, bah, Monique. Ah, c'est Nadine. Ah, bah, je l'ai appelé Monique. Je l'ai appelé Monique, elle s'en est pas remise. Ouais, c'est bon, elle s'est barrée. Bon. Désolé, Nadine, Monique. Oh, dommage, elle n'aura pas son masque. Non, elle n'aura pas son masque, ça lui aura bien servi. Qu'elle en met un, oui. Bah, oui. Bon, alors, on va chez Gilbert. Tant pis pour elle. Gilbert pour carnaval. C'est parti pour le grand carnaval de ce mardi matin. Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Gilbert? Oui. Oui, bonjour, je suis le monstre du carnaval. Comment allez-vous? Allô? Allô? Oui. Ah, voilà. Bah, parce que j'ai des effets spéciaux pour carnaval cette année. Eh oui, c'est carnaval. Il est là, Gilbert, ou pas? Oui, il est là. Ah, c'est de la part de qui? C'est de la part de Monsieur Lapince. Je suis l'organisateur du carnaval. Et j'ai un truc à proposer à Gilbert. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Un masque. Un masque, mais n'en veux pas. Ah, pourquoi elle en a pas besoin? Elle est déjà assez moche. Allô? La femme à Gilbert. Allô? Allez, passons Gilbert. Oui. Tu me le passes? Comment? Oui. Ouais, merci bien. Merci. Allô? Allô, Gilbert? Ouais. Ouais. Ouais, bonjour, je suis le monstre du carnaval. Comment vas-tu? Pourquoi t'es intéressé à ma situation? Ah ben ouais, je m'intéresse à ta situation, évidemment. Attends, j'ai mené une enquête sur toi. Hein? Et je vais t'amener un masque ce matin pour carnaval. Ah bon, bah, c'est bien. Ah ben tu vas être magnifique avec. Ah ouais? J'en amène un pour ta femme ou pas besoin? D'un masque? Ouais. Non, ça va. Non, ça va elle. Moi, toi, moins. Ouais. Ouais. Donc je vais t'amener un masque, tu me donneras 20 euros. Tu t'as... Ah, c'était besoin d'un masque? Non, j'ai pas besoin de masque. Si, bah si, t'en as besoin, ta femme m'a dit que si. Non. Tu lui fais peur le matin au réveil. Ah ouais. Comme ça, tu pourras le garder même toute la journée. Ouais, si ça peut être utile, puis le disait toute l'année, c'est pas cher, 20 euros. Ah ouais. J'arrive dans 5-10 minutes déguisé en monstre, hein, tu t'inquiètes pas, qu'il y a un monstre qui tape à la porte, ça sera moi. Ah bon? À tout de suite. Ah ouais. J'arrive. T'es content, Gilbert? Gros bisous, Gilbert. Oui. Bisous, hein. C'est ta femme qui va être contente sur ta Gilbert. Bouche. Ouais. Oh. À tout à l'heure. Oui. J'arrive, chef. Oui, à tout à l'heure. Samba. Et voilà, Samba. Oui.
Avec Ah, il a adoré les effets spéciaux. Il a bien aimé. Bravo pour les effets spéciaux. Et voilà, ça rapporte de l'argent, c'est pas cher, c'est 20 euros, Cédric Amasque. Bah, ça va aller, tranquille. Et il y a Cynic qui nous laisse un message. Cynic qui nous dit que lui, il va se faire un petit pétard dès le réveil pour carnaval. Mais oui, c'est le jour où on fait péter les pétards. Putain, la bonne excuse de merde pour fumer. Ouais, je crois qu'il va le fumer dès le réveil, là. Voilà, demain matin. Oh, aujourd'hui, je fume un pétard, on est quand même mercredi. Et on remercie le monstre du carnaval. Bon mardi gras à vous, il est 6h12. Dans bon instant, carnaval. Le mini iPad à gagner, il est pour vous. On joue avec le film 300 et on joue à l'invité mystère. Attention. La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie, c'était il y a très longtemps. Et en plus, c'était pas le sien. Al Williams sur Skyrock, Pharrell. Ouais. Et son nouvel album qui est sorti hier. Pharrell Williams nous a mis de bonne humeur ce matin. C'est pas fini puisque maintenant il est l'heure des conseils pas chers. Ah, gagner de l'argent grâce aux animaux et par exemple aux chiens qui aboient trop. Eh ouais, parce que vous avez peut-être à côté de chez vous un chien qui aboie. Ah bah, tiens là, j'ai une petite histoire. Un mec, le maire de Targon. Oh! Comment va-t-il? Bah écoute, il est super sympa. En fait, bon, il y a une dame, elle arrête pas de se plaindre parce qu'il y a des chiens qui jappent à côté d'elle. Bon, les policiers ont déjà pruné le propriétaire des chiens. Pruner veut dire mettre une amende. Ouais, c'est ça. C'est pas lui mettre un pain dans la gueule, je précise. Non, non. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça a eu aucun effet. Le mec a payé les amendes. Les chiens continuent d'aboyer. Là, le maire a décidé, a une super idée. Il a dit au propriétaire du chien, t'as 8 jours pour t'en débarrasser. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est assez radical. Ah, alors le chien, c'est assez radical comme méthode. Le chien a quelque chose à nous dire d'ailleurs. Ah, il n'est pas content, il veut rester chez son papa. Ouais, il veut manger le maire. Ouais, je crois que le maire, il faut pas qu'il se présente au domicile du monsieur là. Bon, attention, comment gagner de l'argent avec un chien qui aboie? C'est parti, c'est les conseils pas chers. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Les conseils pas chers, c'est parti. Chez qui qu'on va? Ah ouais, on n'a pas les prénoms là. On n'a pas les prénoms. Mais en fait, on a été chercher des petites annonces de gens qui donnent, qui vendent des chiens, tout ça. Et comme ça, je vais leur dire que bon, on est sûr qu'ils ont un chien. Je vais leur dire votre chien, j'appe trop. Je suis la brigade canine, je vous colle une amende. Putain, j'ai tout. J'ai des teckels, des border collies. C'est des border qui sont dans un paquet, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, les border. J'ai un shih tzu. En fait, un shih tzu. Shih tzu. Un shih tzu. Allez, c'est parti pour le shih tzu. Un shih tzu. Allez. Marrant, hein. Le shih tzu aboie tout le temps. C'est ouf ça, dites donc. Eh ouais, j'interviens. Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous avez un shih tzu. Oui. Oui, bah c'est pas propre. Ah non. Ça, non. Excusez-moi de vous déranger, c'est la brigade canine à l'appareil. Oui. Je vous appelais à cause de la bébête. Oui. Oui. En fait, il y a des voisins qui se plaignent des aboiements. Oh, bah écoutez, c'est pas lui, hein. Moi, il est toujours à la maison. Ah bah oui, mais il est toujours à la maison, c'est peut-être pour ça, il faut le sortir de temps en temps. Oui, je le sors aussi, ah oui. Oui, bah il va falloir... Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il y a une petite amende à régler, 3 fois rien, 150 euros. Pour ? Bah à cause des aboiements, madame. Trop de bruit. Désolé, mais mon chien n'aboie pas. Ah bah ça, c'est, aussi, hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois, ma bonne dame. Mais bon, c'est pas ça. On sait que c'est pas la vérité que vous nous dites. On a enregistré votre chien quand il aboie, nous. Hein. On a la preuve. Ah bah venez voir. Hein, eh ben on va venir voir. Ici, moi, quand j'arrive, il aboie une fois, l'amende elle tombe. Ouais, c'est une blague. Ah non, pas du tout. C'est la brigade canine à l'appareil. Bah oui, mais moi, mon chien, il est chez moi, il aboie pas. Ah bah si, quand des fois vous le laissez, c'est à ce moment-là qu'il doit aboyer. Hein. Ah non. Ah bah non, si. Il doit se sentir seul et voilà, il aboie. Et les voisins n'en peuvent plus, ma bonne dame. Eh bah c'est pas le mien, en tout cas. Hein. C'est ah bah moi, on va vérifier ça. En tout cas, c'est votre amende. Hein. J'arrive à la maison et on va voir s'il aboie ou pas. Hein. Bon, d'accord, bah vous pouvez venir voir. Ah bah je suis là dans 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive avec l'amende sous le bras. D'accord. Eh bien, tout à l'heure, ma bonne dame. Oui, monsieur. Au revoir. Et petite caresse au shih tzu. Oui, d'accord, ça sera fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Un appel masqué, je peux pas savoir qui c'est. Ah, écoutez, pour le shih tzu, il dit que je vais avoir une amende parce que le chien y a aboyé. Le chien qui aboie. Bah oui, t'as aboie, le chien. Bah oui. C'est une blague. C'est parce qu'il y a une annonce.
Et son mari derrière. Ouais. Oh merde, ah ouais. On a raccroché. Elle expliquait à son mari. Oui. J'adore quand on est posé chez les gens. Il y a une amende. Ouais. J'adore quand on fait les espions comme ça. Il y a une amende pour le chien de Chichu. Oui. Tu veux pas mettre une amende au mari? Bon, allez, tiens, ouais, vas-y, on la rappelle. Double tarif. Ouais, allez. Double ration, c'est sérieux. Oui, c'est gratuit. Deuxième coup de fil, je te l'offre. Allez, donc allez. C'est parti chez le Chichu. Allô? Oui, bonjour madame, c'est à nouveau la brigade canine. Allô? Oui. Oui, je vous entends. Oui, dites voir, il y a un autre problème là, parce que j'ai vu sur le dossier, il y a des voisins qui se plaignent, votre mari jappe trop également. Mon mari quoi? Jappe trop également, il aboie trop. Est-ce que vous pourriez me le passer? Je l'entends derrière. Oui, oui, il est là. Ah ben, passez-le moi, merci bien. Oui. Allô? Ouais, allô? Oui. Oui, bonjour, c'est la brigade canine à l'appareil. Allô? Allô? La brigade canine à l'appareil. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? C'est qui, s'il vous plaît? La brigade canine. Un peu sourd. Ah bah, excusez-moi, bientôt. Voilà. Comment? Allô? La brigade canine. Alors, j'ai raccroché, moi, c'était moi. Non, t'as pas raccroché. Non. Non. T'as pas raccroché. Ouais, pourquoi déconner comme ça? C'est Bruno qui fait tourner pareil. C'est Bruno qui fait tourner pareil. C'est Bruno qui fait tourner pareil. J'ai raconté, moi j'ai trop lourd. Comment ça, oui? J'ai raconté. Brigade canine. Ah, brigade canine. Tu as le mec. Tu as foutu le mec. Mec, ne sors pas. Mec, c'est la brigade canine. Il croit que c'est son ami Bruno. Ouais, c'est Bruno. Bon, bah allez, vas-y, on va le rappeler un petit coup. Je suis Bruno maintenant. Je suis le copain de la famille. Allez, c'est parti. Eux, on va les garder jusqu'à 9h. Ah, c'est bien parti. Jusqu'à 9h, on les garde avec tout. Attention, la famille. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est à nouveau la brigade canine. Oui. Oui, est-ce que je pourrais avoir ton mari, s'il te plaît? Oui. Ah, oui, ah, passe. Bah, j'espère bien. Mais c'est une blague aussi. Bah, c'est qui au téléphone? Bah, tu m'as pas reconnu. Non. Ah bah, écoute, dommage. J'ai pas reconnu. Ah non. Non, ah, non, souvent c'est Bruno qui me fait des blagues, mais j'ai pas reconnu Bruno. Bah, c'est moi. C'est Bruno. Bah oui, c'est Bruno. C'est Nono. Oh, c'est pas Bruno qui parle. Mais si, c'est Bruno qui parle. J'ai pris de la drogue, c'est pour ça la voix est modifiée. Ah non. Je me doutais que c'était une blague. Ah bah oui, bah et passe-moi dans ton mari, je vais lui raconter une bonne blague aussi. Ah bon, bah je vais le passer. Elle est contente. Allô, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Bah ça va, dis donc, ta femme elle m'avait pas reconnue. Hein? Eh, ta femme elle m'avait pas reconnue. Bah moi non plus. Eh bah voilà, bah, c'est Bruno. Ah, comment tu vas, Bruno? Ah bah, il va bien, là, je suis en train de boire, là. Ah ouais, t'as bien raison. Hein. Ouais. T'as raison. Déjà, je voulais venir prendre l'apéro ce midi. Hein? Je peux passer ce midi? Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, on s'en jette deux, trois petits, puis je retournerai au boulot derrière. Hein. Ouais. Ou pas, ou je dormirai un peu avec ta femme. Hein? Ou je dormirai un peu avec ta femme. Non. Avec le chien, alors? Avec le chien? Ouais. Plus. Ah bah, nickel. T'as pris le chien. Ouais. Pourtant, ta femme est aussi poilue, hein? Quel chien. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, je te dis à tout à l'heure, rendez-vous à midi pour l'apéro, hein. C'est français, j'ai le fusil sous la table. Eh ben, nickel, parfait, bah, c'est un apéro sympa. Allez, à bientôt. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure, mon pote. Eh ben. C'est comme Bruno, ça, hein. Voilà. Non, c'est Riga. C'est la famille qui raccroche le téléphone. Ils ont des problèmes. Ils ont pas raccroché le téléphone. Là, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a pour Bruno? Je sais pas, derrière, il rigolait, j'ai reconnu son rire. Ah, c'est le rire de Bruno. Elle l'a reconnu. Bravo. Eh ben, c'était la femme au Shih Tzu avec son mari au Shih Tzu. Ouais, aussi. C'est ça, ouais. Tout le monde se Shih Tzu, c'est super. Ouais. Avec leur copain Bruno, toute la famille. Et conseil pas cher réussi. Romano, pour ne pas gaspiller d'eau, il tire la chasse une fois par jour. Ce matin, les tests dans les conseils pas chers, les commerçants sont-ils honnêtes et vont-ils écouler les faux billets fabriqués par Romano ce matin? Ah bah j'ai tout donné, hein. En plus j'ai fait de la qualité quand même. J'ai travaillé toute la nuit. À pression laser et tout. Hein. Ah ouais, là j'ai mis les petits plats dans les grands. C'est ça. Voilà, j'en ai chié pour la dire celle-là. Alors, j'ai un faux billet qu'on va vous mettre en photo d'ailleurs bientôt sur tous les réseaux sociaux de Skyrock. Il est un peu épais, non? Ouais, bon, j'ai un problème au niveau du papier. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est le papier, j'ai pas le même que les vrais, quoi. Ouais, d'accord. Bon, bah j'ai fait ça avec des feuilles A4. Hein. Ouais, ça passe. J'ai découpé, tout j'ai ça. Bien vu, oui. Bon, c'est parti, on teste ça tout de suite. Chantons tout d'abord les conseils pas chers. Mais oui.
C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Faux billets. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Alors Cédric, tu m'as dit que tu avais des restaurants, des épiceries, des magasins ouverts ce matin. C'est ça, ouais. On prend allez, tout. Bah on voit. On prend tout, tout, tout. Allez, on vas-y. On va où? Bah je sais pas, on va donner... Épicerie? Épicerie, restaurant. Bon, allez, appel. T'inquiète pas, je refourgue tout ça. Lui, il fait les deux, tu vois. Restaurant, épicier. C'est parti. Ah. Allô? Oui, bonjour, le restaurant? Non, l'épicerie. Ah, l'épicerie. Comment ouais. ça va, l'épicerie? Oui, qui c'est? C'est le marchand de faux billets. Oui. Oui. Bon, dis voir, là j'ai mis un petit business en place, j'essaie d'écouler des faux billets là. Ouais, bah passe. Bah c'est ce que je voulais faire parce que je sais que chez toi il y a du monde le midi. Oui. Donc comme ça moi je te fais le billet de 20 euros, je te le fais à 10 euros. Génial. Eh bah je t'amène 2-3 liasses. Voilà, 2-3 liasses, ça m'amène 4-5 000 euros. Ouais. Bon bah nickel. À bientôt. Eh bah je te dis, j'arrive dans 10 minutes là. À tout de suite. À tout de suite, merci l'épicerie. Et voilà le ah ouais. deux premiers. A priori, un mec très très honnête. Ouais. Et oui, les commerçants peuvent écouler des faux billets. Ah mais bien sûr. Ah bah ouais, c'est le bon endroit. Hein. Bravo, bravo. Allez, vas-y, un autre. Allez. Ah bah ouais, c'est ouf ça. Et d'un. Et déjà des faux billets écoulés. Allez, c'est parti. Deuxième. On enchaîne. Parti. Market, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes la responsable? Oui. Ah, ça tombe bien, c'est sur vous que je voulais tomber. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Vous avez du monde qui passe dans la boutique toute la journée. J'ai pas compris, monsieur. Il y a du monde qui passe dans la boutique toute la journée. Non, il y a personne. Non, il y a personne. Oui. Ah oui. Ah, oui. Et en fait, moi, j'ai fabriqué des faux billets. Des faux billets de banque. 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, j'ai tout. Oui. Oui, et en fait, je voulais en écouler un petit peu dans la boutique avec votre complicité. Après, on fait 50-50. Moi, deux minutes, monsieur, je vais passer ma responsable. Ah, bah c'est très gentil. Elle est contente. Elle est très contente. Très contente. Faux billets, j'en ai partout là. Allô? Oui, bonjour la responsable. Non, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, j'expliquais à votre vendeuse, très charmante d'ailleurs, que j'ai fabriqué des faux billets, je voulais en écouler un peu dans la boutique, avec votre complicité, bien sûr. Hein. Ah ouais? Après, on fait 50-50. Ah ouais? Ah ouais? Mais venez vous présenter, on conclut bien le marché, le visu, et puis. Bah écoutez, moi ce que je fais. Bah moi, ce que je fais, c'est que j'arrive avec une mallette de billets là. Je vous montre un peu la qualité. Mais quand vous arrivez, vous me faites savoir. Ah hein? Ben exactement. Et comme okay. On ira voir dans votre bureau. Ok, à tout à l'heure. Alors. Eh ben je vous dis à tout à l'heure. Merci okay. de votre service. Hein. Je vous en prie. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Okay. Ben voilà, deux. Merci de votre honnêteté surtout. Quand même fou, ça. Ah, trop fort. Ah, ça fait plaisir d'avoir des gens malhonnêtes comme moi. Ah ouais, ça c'est bon ça. Eh ben tu vois, tu as bien fait de fabriquer tout ça. Ah, bien pratique. Tu risques la prison, nous dit Obama Hello. Ouais, c'est un crime, tu risques 30 ans de tôle. Ah ouais, quand même. Quand tu fais des faux billets. Eh ben j'adore ça, bravo, des conseils pas chers, tu prends des risques et on te félicite Romano. Merci, applaudissez-moi. Oui, bravo. La dernière fois que Romano a ouvert un porte-monnaie, c'était il y a très longtemps. Et en plus, c'était pas le sien.